depuis moi. Avec Saint-Anne, avec ses camarades. Ma grand-père, c'est un moitié de canote. Saint-Pouilly, c'est un port, ses camarades des matelots, ses outils des battieux. Quand on arrivait de chez Terre, première chose qu'on voyait au fond des chevaux, c'est le chantier de Carvel puis de Galbord. Chez deux frères mouettes carpentiers, chez eux qui ont construit tout chez Biocanote à Méréatchet. En approchant, on attendait que tranchant de chez Souet qui mortent chez Pied chez Doux, qui une fois assemblés deviendront des biobattieux. Aux attendait aussi chez Queux de Martieux qui a foncé chez Carvel d'un chez Bordet, mais surtout au synthé chez Zodeur. Zodeur est tout chez vous différent qui feu pour fuir un Biocanote. À levant vos yeux, l'eau vous serait éblouie, en voyant chez Ligne et du dernier voilier à construction, l'eau vous voyait à neuf d'artistes. En continuant vos routes, vous arrivez sur Chet. Chez l'eau, chez voilier, sont amérés. Sur Chet, il y a chez Merchant des Pichons, chez Matelotte, dans l'usabie traditionnelle, chez Rouet, Perrin, à Bircher, à se respirer. Synthé chez Odeur, et de Pichon, et de Rouet, et de Coltard, chez tout chez Odeur l'eau, qui est saint-oué quand ma grand-père m'a noué fouer un tour avec lui sur Chet. Mais, et tueur des sports, c'est un chou abri. Ouvert au suet, bien au radeau, vous êtes arrivé d'un spulieu, chaillé, vous êtes à chepoint matelot. Chez l'autre, chez du matelot, quand il raconte le souvenir, chez des chimettes, il s'en font un brache, puis chez kilo un tonne, avec des éclats de rire montrant un ludin de Werchy, Perchéchic et de Toubac. L'eau, sujban, vous pouvez vivre grand-père, gita tribord, chaillé chou, jgoniard, souvent aussi kéké, chobigouillé, qu'il faut une commission pour un bistouille puis un patchet de toubac. Grand-père, chez sa surpitché, parce qu'avant, sa fille, ma père, il y avait le même prénom que lui. Comme chez toi et l'ichemouette, les chipaches l'appelaient grand-père. Gita bat tribord, lit pas loin, mollet à droite. Chaillé chou, j'te pour ses caveux. Jgoniard, ben lit l'arbeillou à tribord pour vivre s'il y avait du monde à bâbord. Pour kéké, je m'avoue vous raconter que ma qui a gagné sa surpitché. D'un jetant l'eau, on ne mettait pas chez mort d'un salon comme master, hein. On se zéouardou et dans le moison, chez femme ils éveillouaient des jours, puis chez hommes la nuit. Au chêne et de poids, ils éveillaient triste. Hein. Ouh là là, ils s'installouaient avec une grande lambiquet de café, et puis à l'été de goutte. Toute la nuit, ils riouaient en racontant chez le bon moment passé avec Echemort. Quand Badutu est mort, sans enfant, pour éveiller nos quatre lascars et nos poivres lunes léchés tous eux, ils ont été passer la nuit avec lui. Et je suis bigouillé, bah, il était avec eux, passait bien, il savait qu'il ne repoyait de misère la nuit. À la matine, et je lis des gouttes qui étaient les tiens. En voyant l'épicerie de Fifine ouverte, chaillé chou, il dit à ce bigouillé, « Vauture un bout de goutte, hein, à moison Fifine, qui diront que je passerai pouiller plus tard. » Pendant qu'il est parti, je gognard, sa mouchette derrière, il dit des chemors. Quand c'est pour bigouiller et d'arrivée, je gognard avec une grosse voix, « Germain, chauvert, pour que je fasse la route, en attendant chaud, nos formes malheureux, il est parti tout courant, en faisant des cris épouvantables. On ne la retrouvait qu'elle le demain matin. Jouchait dans un arbre, il clatchouait des dents, pour effouer des chaînes chez le pompier le Noir-Rosac, chez le lance-incendie. Quand ils l'ont récupéré, une sainte poitre au moins, il pérait, hein, qu'ils avaient lâché d'un chute l'autre. Ils l'ont interrogé, il a dit, qui m'a pendait à boire. Et depuis ce temps-là, il paye comme chou, il est Dieu. Hein. Et les boyaux des têtes n'étaient pas trop solides, et bien il restait Dieu. Chez aussi Pichetanlo qu'on l'appelle Kéké. Grand-père avec ses camarades locataires des chepoints mateux. Quand l'hiver arrivait avec les groux, non roué, puis Saint-Patché de Neige, il se rabatouait à ce café juste derrière, à la sole rieuse. Chez toi un café de matelou. On n'y servait que du café. Enfin, quand je dis du café, j'ai plutôt des bistouilles, hein. Un mollet de café, des grammes de gouttes. Des bières au caudron, puis du vin pour chez fête. Je patron, chez toi je boudomme, mort, un tout chaud bonhomme, tout langreux. Et ce femme, chez toi je suis de carton, alors là, un maillet de femme, hein. Six pieds d'auteur, des épaules de docker, avec des mains comme des pales d'hélice, avec chaud mal et mal. Mais faut dire, à ça, oui, faut y ramager. Chez toi, le meilleur cuisinière des sports. À ne faut-il que du pichon, des codières, des courseuses, des saurets, des mallettes, je te prie du luxe, hein. Mais on se pour les tuer jusqu'à ses oreilles. Alors oui, grand de clients, mais boudhomme faisait toujours passer chez Matelot en priorité. Chez Maléma, peine de carton. Alors oui, toujours un air de commissaire. À part quand c'est juste posé sur Saint-Boudhomme l'eau, et ce n'est pas qu'en jouer à dévenouer quasi ma belle. Quand elle a tindoué à malotru, mal perlé à boudhomme, alors l'eau a sorti des cuisines comme un diable d'une boîte. Elle l'attrapait par les chouettes, elle l'élevait d'une main, puis de l'autre main, elle ouvrait chez une porte, elle balançait des yeux et s'est retrouvée assis d'un caniveau. Chez quatre mousquetaires,
comme chez Jean Matelot, ils appellent il est tout un moulet moutu, mais surtout farceux. Il passe ouais, tout le temps à jouer des tours et de cochons, à chicaigneux. Mais comme il doit être aussi un moulet anarchiste, à zélu aussi, mais point seulement. Et fieu topette, il y a quiconque qui connaît, mais dire. Parce que fieu topette, c'est un plein de bras, qui me dit Jean Moué bonjour, puis qui ne paye que français, et pour y apprendre à vivre. Hein. Ils ont payé un kéké pour qu'ils wèchent toutes les nuits sonner à ce porte à 3h du matin. Quand au bout d'un semaine, kéké a reçu un ciel lieu jusqu'à Ouette, il est venu se servir en demandant un moulet d'augmentation parce que j'avais venu un métier à risque. Hein. Ils ont aussi vendu des pourrettes à une périsienne en lui disant que j'ai trouvé du lait de phoque acheté. J'ai trouvé une rame à moi pour espieux. Quand les jeunes médecins, ils arrêtaient Snoto pour lui dire bonjour, puis lui demander des nouvelles de lui sentait. Ils ont répondu non, oh, j'avoue, où nous sonnions nos modes. Aux allons au bout de l'échetet, vers un gros vin de Soroué, puis au pichon face au vin. J'ai mieux que je vaccin pour la grippe, on attrape, on ne rien de tout l'idée. Bien sûr, quand les médecins, ils étaient signés chez le lieu de traitement, ben, ils étaient bien arrosés. Il est revenu à Chouin Mathieu en riant lui dire « Vous m'avez bien eu, hein. Grand-père, alors il a dit « Astur docteur, vous êtes baptisé Picard, puis étant donné que vous avez du brin de Judas plein vos figures, on vous appellera Choukerlé. Jésus, chez toi est syndic. Pour un méchant avec ses matelots, c'est un seul des feux, chez toi de boire sans souhait. On me dit là, oui, Jean et Vurassin. J'ai quatre camarades qui ont décidé de se saouler. J'en lui accoutais un semaine et de passion. Quand il était ce morsif, il l'en coûtait. Quand il, comme quand on est mort, avec des fleurs, des bougies, un Christ, du beau béni, enfin tout ce qu'il faut pour aller faire route, pour aller vire Saint-Pierre. Quoi. Et de piche dans l'eau, il raconte tout partout qu'il a été mort puis ressuscité. À ce heure, on n'appelle plus Jésus. Le plus grosse farce. Alors l'eau, on en perlait, n'a touché port du nord de la France. Sans perler anglais, ils ont réussi à venir et phare à un touriste américain pour qu'il démonte puis qu'il la remonte là-bas dans un jardin au Texas. Quand il a été porté sans chèque à la mairie, puis qu'il réclamait son acte de propriété, Schmer, avec ses employés, qui n'ont pas été point anglais non plus d'ailleurs, ils ont passé lui après-midi pour y expliquer que ça n'était pas possible. À la fin, il n'a pas été plus. Ils ont appelé chez gendarmes pour le mettre dehors. Mais, quand même, quand ils ont chimenté toutes ces clichettes et de la mairie au chemin rapide, et Schmer y a trouvé qu'il exagérait. Il a décidé d'aller lui donner un avertissement avec tous ses adjoints. On a averti grand-père qui a pris ses dispositions. À ce qu'il y a eu urgence. Grand-père est rajeuni de 30 ans. Il est revenu chouette et de 5 ans. Il y a un voyage qui est tapé à toutes les portes de son ancien équipage. Un criant H.Mateux. Un demi-heure après, il est prêt de Tartoulou. Il veut guérir et de contactement. Grand-père, il a fait l'appel. Il n'en a plus pour rien. J'ai trouvé un fameux équipage. Il y a eu carabin, boutinu, cachette et chratieux. Chopier et chmaille, clichette, chez tonne de bière, cousin mouton, puis chabat. L'eau, vous avez crème chez du matelot. Grand-père y a donné ses consignes. Après, il a envoyé Kéké Millet pour avertir quand les chmer ils seront l'eau. Tous les chipas s'alignaient. Quand les chmer y était l'eau devant eux, grand-père y a crié ses ordres comme un merde d'un temps. Tornez ! Demi-tour et les chipas comme un seul homme. Bâché ! Un bâchant le culotte qui ont présenté une dizaine d'idlones à plein jour. Les autorités sont parties vexées, accompagnées jusqu'à la mairie, puis les ricanements des chouins. La vie, elle continuait comme chou, avec des éclats de rire, puis des intermains. Le camarade disparaît tout être, et on a pris l'autre. Pour chez Voyer, chez Tupéraï, chez Velle, il est au train plachet, pire des moteurs. Hein. Chez Tant qu'en jouette, il faut le se moderniser. Père, il a fouillé construire lui aussi un chalutier à moteur, puis il est parti s'installer à Boulogne, chez tous les grammes un peu pratiques. Père, un grand vieux temps et de ralent, grand-père y est parti lui aussi pour son grand voyage. Il a été retrouvé resté chipache au paradis de chez Matelou, mis ma travail m'éloignait des sports, j'ai une soeur venue crarement, seulement pour aller chez Chimatière vers grand-père. Je n'y ai jamais été sans avoir un sourire en lisant chez Plaque et de ses camarades qui ont été fouillés gravés. Si on lui disait autant de pater qui a rechute que de mer, les snam allaient sauver. On n'arrête pas le temps qui passe, hein. Mais aussi j'atteins l'âge de prendre une passion. Alors l'eau, j'ai eu la vie et d'arvir et mon enfance au foyer de ma grand-père. Vous vous souvenez,
En arrivant de chez terre, et première chose qu'on voyait chez ce chantier naval, avec ses odeurs, ses bruits, fini tout chaud, fini chez bruit de souhait, pique de martieux. À cette heure, on est tout échoui, vers chez tracteur qui alignouait des tièces à savon à plastique, tartout pareil. Pour chez odeurs, en infection, chasse un truc plastique de. Un plus, il y a eu tulo d'appeler chaud des battus. Chez frère Carvel, Bigalbor, il doit être ça retourné dans les tombes. Sujet, oh, chez toi, autre chose. Il y a eu des amirals, avec des casaques pleines de boutons de rein, puis des cachettes pleines de galons. On est roué chez toi, les remèdes médecins des merchants d'un sport. D'un sport. Un alignement bien âgé et de soi-disant battus à plastique. Plus un vieux voilier, plus un chalutier. Ah si, ah si, 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 si. J'ai une navillon, hein. Sur écheron point avec des fleurs dedans. Non, des poteaux, tu peux manger. J'ai voulu aller manger au café de ma grand-père. Hein, l'eau, j'ai reçu un queue sur une caouette. Fini la solerieuse. Chez toi, restauration rapide. J'ai un marque coupé l'appétit. J'avoue, Wardèche, mieux pour la fin. Mais l'eau, j'ai dû m'assir. Hein. Mais comme il ne pouvait plus me porter. Et je crois maintenant, oui, oui, je crois maintenant, mais je n'ose même pas vous le dire. Ben, ils l'ont cassé. Puis à Splash, ils ont fait un kebab. Mais je n'ai rien contre ce kebab. Les points, je lâche quand même un peu quand même. Bon, ben, je reprends une moto, puis je suis parti. Ils ont massacré mes souvenirs d'enfance. Mais il y a une chose que personne ne pourra me prendre. J'ai, et puis, vieux cadeau de ma grand-père, hein. J'ai ma perlache, j'ai ma bigarre.